Il se propose notamment de renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée de la nation. Vital Kamerhe de AABA UNC, Tony Kankou de AAP, Julien Paluku de AB50 et Jean-Lucien Boussa de CoD ont créé une organisation appelée PCR, Pacte Point Congo Retrouvé. S'agit-il du dédoublement intelligent de l'Union sacrée de la nation? Julien Paluku, leader de AB50, est l'invité de Face à Face, diffusion vendredi 19h après les infos, samedi minuit et 7h après les infos. Il se propose notamment de renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée de la nation. Vital Kamerhe de Abara UNC, Tony Kankou de AAP, Julien Paluku de AB50 et Jean-Lucien Boussa de la CoD ont créé une organisation appelée PCR, Pacte pour un Congo retrouvé. S'agit-il du dédoublement intelligent de la famille politique du chef de l'État? Monsieur Julien Paluku est l'invité de Face à Face. Monsieur Julien Paluku, bonjour. Oui, bonjour. PCR, plateforme politique, courant politique, mouvement politique. Bon, moi je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations de la part de ceux qui n'ont pas participé à la création de ce pacte. Je voudrais un peu rappeler tout de suite la petite histoire de la création de l'Union sacrée. Vous vous rappelez, le président de la République, lors de son discours du 23 octobre 2020, lorsqu'il annonçait probablement la rupture de la coalition FCC-CACH, il a lancé deux ou trois phrases. La première phrase, c'était de dire, eh bien, le salut du peuple, c'est la loi suprême. La deuxième phrase, il avait dit, aucun engagement politique ne peut primer sur ses prérogatives constitutionnelles. Et à l'occasion, il avait dit qu'il va consulter le peuple afin de créer une union sacrée qui est une vision globale de la refondation de l'État. Et vous l'avez vu par la suite, le gouvernement Sama est venu en 2021, la charte de l'union sacrée a été signée en avril 2023, 8 mois avant les élections, avec pour objectif principal de faire élire le président de la République. Maintenant, nous sommes à la fin des élections. Le président a été élu avec 73,47%. Il a envoyé ses lieutenants sur le terrain pour moissonner fortement. Et aujourd'hui, nous sommes revenus tous comme acteurs politiques, chacun avec la moisson qu'il a pu amener du terrain. Et donc, lorsque la moisson est là, lorsque le président de la République est élu, eh bien, on passe à l'étape suivante de l'organisation. Comment nous nous organisons avec autant d'élus que chacun a amené? Parce que vous le savez, le 29 janvier de cette année, le secrétaire général de l'Assemblée nationale va devoir convoquer la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Et donc, il appartient aux acteurs politiques de devoir s'organiser pour faire face à tous ces défis, autant d'élus qui sont venus, parce que comme vous le savez, souvent, le taux de renouvellement des assemblées nationales est inférieur à 20%. Et donc, on doit organiser tous ces nouveaux élus qui arrivent, qui viennent de tous les quatre coins de la République, pour qu'ensemble, nous sachions comment nous devons accompagner la vision du président de la République. C'est donc le sens de la création de ce que nous avons appelé le pacte pour un Congo retrouvé, pour trois choses. On l'a dit dans les médias, c'est d'abord soutenir le président de la République, c'est ensuite ramener tout le monde à s'engager pour que l'ensemble des élus qui sont venus puissent accompagner à travers les groupes parlementaires la vision de celui qui nous a envoyé tous récolter la moisson. Donc voilà le sens de la création de ce pacte que les gens ont interprété de toute manière. C'est une coalition ou c'est un courant politique? Non, ce n'est pas un courant politique, ce n'est pas une coalition, c'est l'ensemble des grandes idées. Comment vous l'appelez? Comment vous dénommez cette organisation? Nous la dénommons pacte. C'est un pacte entre nous, après avoir été largués sur le terrain pour moissonner, notamment auprès de la population, eh bien, nous nous retrouvons avec autant d'élus pour AB50. Vous savez qu'à AB50, nous avions l'ambition d'avoir 50 élus, c'est pourquoi nous nous sommes appelés AB50, mais au niveau national, nous avons eu 20, au niveau provincial, nous avons eu 20, et au niveau local, nous avons eu 20. Nous pouvons nous réjouir que l'ensemble des élus que nous avons eus, ce chiffre autour de 60. Vous avez signé un pacte à côté de la charte de l'Union sacrée que vous avez également signée.
Oui, la charte, c'est l'organisation générale de toute la famille politique. Ici, il faut différencier des concepts. Il y a ce qu'on appelle la majorité présidentielle et ce qu'on appelle la majorité parlementaire. La majorité présidentielle, c'est l'ensemble de toute cette famille politique qui accompagne le président de la République, au sein de laquelle se trouvent tous les partis politiques, sociétés civiles, personnalités, etc. Tandis que la majorité parlementaire, c'est l'ensemble des partis politiques qui ont eu des élus au sein de l'Assemblée nationale et qui vont former cette majorité à côté de l'opposition pour devoir accompagner l'action du gouvernement que le président devra mettre en place. Donc, il ne faudrait pas que les gens confondent la majorité présidentielle de la majorité parlementaire, parce que le pacte qui a été créé a pour aussi objectif d'organiser tous les élus qui se retrouvent dans les différents regroupements que nous avons obtenus, de manière à ce que nous permettions à ce que ces élus-là accompagnent l'action gouvernementale afin d'atteindre la vision du président. Et ce pacte est venu d'une interpellation le 20 janvier, lorsque le président de la République lui-même nous a interpellés au stade des martyrs, quand il a peint les tableaux à travers les 6 engagements, à travers tout ce qu'il a vu au niveau de la République démocratique du Congo pour dire, eh bien, c'est assez. Nous devons concevoir des politiques publiques à même de relever les défis, de chasser la pauvreté, de permettre que ce peuple qui a tant souffert vraiment retrouve son sourire. Le PCR va devenir un groupe parlementaire. Bon, ça c'est des options qui seront prises lorsque l'Assemblée nationale va ouvrir ses portes pour savoir comment les élus qui sont disséminés dans ces différents regroupements vont devoir s'organiser. Parce que vous savez, un groupe parlementaire, c'est 25 députés selon les règlements intérieurs. Je ne sais pas si le règlement va changer. Est-ce que le PCR, qui a autant de députés, va s'organiser en un seul groupe parlementaire? Est-ce qu'il va éclater en 3-4 groupes parlementaires? Encore que, pour appartenir à un groupe parlementaire, il faut appartenir à un parti politique ou un regroupement. Donc, toutes ces choses-là nous interpellent pour que nous ne soyons pas surpris demain face à une organisation qui est l'Assemblée nationale, qui a besoin que les députés nationaux qui arrivent de tous les 4 coins de la République puissent être bien canalisés et que les aspirations du président de la République soient bien accompagnées. Vous dire que le PCR est une coalition, est un courant politique. Vous cachez dans ce mot pacte, mais pacte veut dire que des gens se mettent ensemble pour adhérer à une vision. Les gens se mettent ensemble parce qu'il y a déjà une vision qui est définie, qu'on appelle union sacrée. Le chef de l'État, il a dit lors de son discours du 23 octobre 2020, il y a déjà une vision qui est tracée. Mais maintenant, le pacte se donne aussi pour mission de formuler des contributions. Vous savez, c'est un double emploi, ça. Vous savez, lorsque le chef de l'État a donné les 6 engagements, lorsqu'il peint les tableaux sur l'ensemble du territoire national, eh bien, il faut que des gens commencent à réfléchir sur comment on va rencontrer les attentes du peuple. Et donc, nous, en tant qu'acteurs politiques, lorsque nous nous disons que nous allons en retraite politique pour dire, face à ce que le président de la République a donné comme engagement, face au tableau qu'il a peint, face à la misère de la population, qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution demain après demain? Parce qu'à un moment donné, il va appeler les acteurs politiques pour dire, maintenant on fait quoi? Et nous, comme pacte, nous serons là prêts avec un ensemble de contributions que nous aurons concoctées, ça et là, par rapport aux engagements qu'il a dit évoquer. Mais c'est vous qui allez donc élaborer le programme de gouvernance du président? Non, je n'ai pas dit ça. Tout programme a besoin de la contribution de tous les acteurs politiques. Et le président a déjà donné l'indication. Lorsqu'il donne les 6 engagements, il faut que chacun, et je l'ai dit, réfléchisse par rapport au contenu de ces engagements-là. Donc nous, lorsque nous réfléchissons, d'autres vont réfléchir, d'autres aussi vont réfléchir, ça n'a rien à voir avec la création d'une coalition, d'un courant politique ou de ces... C'est un pacte d'acteurs politiques qui commence à réfléchir sur les grandes options qui devront guider, si elles sont retenues, la gouvernance de 2024-2028. Vous précédez donc le travail que doit faire le chef du gouvernement? Parce non. Que c'est lui qui va élaborer ce programme à défendre au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque quelqu'un est chef du gouvernement, là c'est l'article 78, le chef du gouvernement est élu et nommé au sein de la majorité parlementaire. Et donc, lorsque il sera, le moment venu, désigné par le président de la République, il aura besoin des contributions de chacun. Nous l'avons vu depuis 2019, lorsque un premier ministre est nommé, il fait appel à des intelligences à gauche, à droite pour dire
quel peut être le contenu de mon programme. Parce que lui-même ne peut pas s'imaginer ce qu'il va faire. Vous auriez pu le faire aussi en tant que AB50, en tant que CODE, en tant que AAP, en tant que ABAR-AUNC. Évidemment, nous avons un proverbe chez nous qui dit que lorsqu'on est nombré, on allume la flamme plus haut. C'est-à-dire, lorsqu'on est seul AB50, peut-être qu'on peut être limité dans les idées. Mais lorsqu'on est 3 ou 4, on peut rassembler des idées. Il y a des économistes, il y a des politologues, il y a des ingénieurs, il y a de ceci. Et donc, c'est cette compréhension-là qu'il faut donner à ce pacte pour un Congo retrouvé. Lorsque le président Félix Tshisekedi donne des indications et il appelle le peuple congolais à pouvoir s'organiser pour désormais chasser ce que nous avons eu comme habitude par le passé et ainsi désormais engager le Congo vers l'émergence. Mais pourquoi vous vous êtes retrouvé à 4? Les autres, vous avez exclu les autres pourquoi dans vos réflexions? Bon, on n'a pas exclu les autres. Moi, j'ai dit souvent qu'une réflexion commence toujours par un noyau. Lorsqu'un noyau réfléchit, il ne peut pas déjà réfléchir à 100, à 200, à 300. Maintenant que nous avons commencé la réflexion, il n'est pas interdit, et nous l'avons dit lors de la sortie officielle de ce pacte, nous l'avons dit que les portes sont ouvertes parce que les réflexions pour la refondation d'un État demandent que toutes les intelligences soient mises à contribution. Et donc, il n'est pas question de dire c'est une coalition qui est fermée, c'est un courant politique qui est fermé. Les autres doivent vous rejoindre. Ce n'est pas nous rejoindre. Les autres peuvent aussi donner des contributions ou aussi ils peuvent se réunir pour les formuler les leurs. Également créer des blocs ou des pactes comme vous l'avez fait. Bon, on ne peut pas entrer dans les secrets de ce que pensent les autres parce que... Vous avez créé un pacte avec 4 regroupements politiques. Les autres peuvent également créer. On peut avoir dans l'Union Sacrée 3, 4 comme ça, organisations. Ça gênerait personne. Déjà, l'Union Sacrée est composée de groupes politiques, regroupements, partis politiques, personnalités. C'est déjà des organisations. Donc, mais comment les gens pensent que autant l'Union Sacrée a des partis politiques, a des regroupements politiques, autant il ne veut pas avoir un regroupement maintenant des partis politiques qui réfléchissent. C'est quand même une chose au contraire. Alors vous me rejoignez, regroupement des partis politiques, donc c'est une coalition au sein de l'Union Sacrée. La coalition, c'est pour un pouvoir. Ici, ce n'est pas une coalition pour un pouvoir. C'est une organisation interne pour les réflexions profondes à envie d'apporter les contributions demain après demain sur l'exercice du pouvoir. Donc pour vous, cette coalition n'aura pas besoin de poste après les contacts que le Premier ministre va pouvoir faire avec la famille politique du chef de l'État. Lorsque vous avez... Vous êtes comme un think tank, vous n'avez pas besoin de portefeuille ministériel ou d'un poste quelque part. Moi, je pense qu'ici, il n'est pas question de discuter des postes. Oui, mais lorsque vous parlez de réflexion, vous êtes un groupe de réflexion, vous donnez l'impression que vous réfléchissez simplement et vous n'avez pas besoin d'un portefeuille ministériel, vous n'avez pas besoin de diriger une institution. Vous savez, l'organisation politique telle que définie dans la Constitution relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République lorsqu'il faut désigner les animateurs. Il ne faudrait pas que les gens se leurrent en disant « Bon, le pacte s'est réuni pour chercher à... J'ai suivi ça, à faire du chantage à gauche, à droite, pour qu'on obtienne X ou Y poste. » Non. Le chef de l'État, dans son pouvoir discrétionnaire, va désigner avec les forces en présence. Il ne va pas se réveiller et nommer n'importe qui, n'est-ce pas? Oui, il va désigner dans les forces en présence selon son pouvoir discrétionnaire. Et donc il faut, c'est pourquoi vous êtes réunis pour être plus nombreux et... Ça, comme ça se dit, forcer un peu la main au chef de l'État. Nous sommes déjà plus nombreux. Démontrer au chef de l'État que vous êtes 130, vous avez dit 130 députés nationaux. Nous sommes déjà plus nombreux comme famille politique du président de la République. On n'a pas besoin de démontrer qu'on est nombreux. Parce que lorsque vous lisez les tableaux qui a été promulgué, qui a été publié par la CENI, la famille présidentielle, c'est-à-dire la famille politique du président de la République, à près de 400 élus au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, il n'appartient pas à un groupe de démontrer qu'on est nombreux. Parce que déjà, le fait d'être 400, nous avons la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc, il ne faudrait pas que les gens confondent ça. La majorité est déjà là. Il faut seulement l'identifier. Il y a 3 manières d'identifier une majorité. La première manière, c'est ce que nous on fait. On s'est réunis, on s'est dit, nous sommes allés à la bataille. Nous voici, vous avez combien, l'autre a combien. La deuxième manière, c'est que quand on va ouvrir l'Assemblée nationale, eh bien, chaque parti politique va devoir s'engager s'il appartient à la majorité ou à l'opposition.
Et la troisième manière, s'il advient que le président de la République nomme un informateur, lui aussi va devoir identifier la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Vous êtes allé vite en besogne pour dire que vous êtes de la majorité, vous êtes proche du président, c'est le travail de l'informateur. Oui, je vous dis, il y a trois manières. Il faut attendre. Vous êtes pressé, pourquoi ? Il y a trois manières, je les ai décrites tout à l'heure. Et donc, il n'est pas interdit à un groupe de personnes de se réunir pour se réclamer, effectivement, appartenir à cette majorité lorsqu'il y a un résultat qui est venu du terrain. Parce qu'avant d'y aller, nous nous sommes prononcés très, très bien. Vous savez que lorsque les gens vont aller à l'Assemblée nationale, il pourrait y avoir des gens qui vont se déclarer là-bas, ne pas appartenir à la famille de la majorité présidentielle, parce qu'on fait le choix. Et c'est ça, le règlement intérieur. On fait le choix entre appartenir à la majorité ou appartenir à l'opposition. Mais nous, déjà, dès le départ, avant que cette étape n'arrive, nous nous sommes réunis pour nous dire, nous sommes de la majorité présidentielle et ensuite de la majorité parlementaire à travers les élus. Et les trois éléments que nous avons soulevés lorsque nous avons sorti notre communiqué indiquent très bien cette perception. Mais on suppose déjà que l'Union sacrée, qui a soutenu la candidature du chef de l'État, et sera dans la majorité parlementaire. Pourquoi faire double emploi ? C'est pas un double emploi. Je crois que c'est là où les gens ne comprennent pas. En fait, la politique respire par des dynamiques politiques. Je ne comprends pas pourquoi des gens attendent que le président leur demande de se réunir. Nous ne sommes pas de cette catégorie de gens. Est-ce que le chef d'État doit demander de vous réunir ? L'Union sacrée, c'est une plateforme politique. Tout à fait. Alors, vous créez un think tank, vous créez une organisation à l'interne, alors que l'Union sacrée est organisée. Au départ, comment vous expliquez ça ? Au départ, l'Union sacrée, c'est une vision. Il ne faudrait pas que les gens confondent. Mais ce n'est plus une vision depuis le 29 avril 2023, lorsque l'Union sacrée a effectué sa sortie officielle au Stade des Martyrs. L'Union sacrée est aujourd'hui une plateforme politique, organisée avec des secrétaires permanents adjoints. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous apprendre, M. Jeunet? Ça, c'est la mise en œuvre de la vision. Vous savez, la vision a été tracée par le président de la République dans sa mise en œuvre. Ce n'est plus une vision aujourd'hui. C'est maintenant une plateforme politique qui est organisée. Et donc, vous auriez dû, à votre niveau aussi, intéresser les dirigeants, l'équipe dirigeante de l'Union sacrée, le présidium et les secrétaires permanents. Au lieu de vous retirer en cachette pour créer ce que vous appelez pacte, mais que les autres appellent coalition. Mais en cachette, nous l'avons fait publiquement, à ciel ouvert, tout le monde était là. Non, ça a surpris tout le monde. Y compris Top Congo. Tout le monde a été surpris. Y compris Top Congo. Mais vos partenaires ont été surpris. Non, je ne pense pas que... Vous savez, les Congolais sont habitués à l'oralité, les Congolais sont habitués à la gratuité. Je vais même dire, c'est pas parce que le président a lancé... Vos pères de l'opposition, de la majorité, les autres... A lancé la gratuité, que nous devons nous attendre tous à la gratuité. Il faut apprendre à réfléchir, il faut apprendre à concevoir, il faut apprendre à élaborer des politiques publiques. Donc nous, en tant que pacte, nous n'avons pas d'autre objectif que de 1. Soutenir le président de la République, de réaffirmer que nous sommes de la majorité présidentielle, 3, amener nos élus qui sont à l'Assemblée nationale de soutenir le programme du gouvernement, parce que, in fine, le programme du gouvernement passera à l'Assemblée nationale où le Premier ministre devrait être investi avec l'ensemble de ses ministres. Donc c'est autant d'éléments que nous avons sortis officiellement pour dire à l'opinion quel était l'objet du pacte pour lequel nous nous sommes réunis en tant qu'acteurs politiques, ce qui n'enfreint en rien l'organisation interne de l'Union sacrée, parce que nous n'avons pris aucune prérogative, je dis bien aucune prérogative de l'Union sacrée à travers ces différents organes. Le PCR est organisé, vous avez un président, vous avez un coordonnateur, c'est organisé? Si c'était le cas, évidemment, on aurait cru que nous nous substituons à l'Union sacrée. Vous n'avez pas trouvé nulle part où nous avons parlé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire général, d'un rapporteur. C'est là qui vous démontre effectivement que c'est un groupe qui réunit les différents acteurs politiques pour réfléchir sur les défis que le chef de l'État a définis à travers son discours d'investiture. Donc vous aurez dû discuter de ces défis avec le président ou le secrétaire permanent de l'Union sacrée? Mais le moment viendra. Le moment viendra. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ça viendra ou ça devrait se faire en amont, avant cette sortie qui a surpris tout le monde? Parce que nous n'avons pas encore ces contenus-là que nous allons amener.
Il faut que nous définissions les contenus que nous allons amener. Si demain les prédisions nous appelaient, on ne va pas venir avec nos poitrines. Il faut qu'on y arrive en disant, nous avons suivi les discours du président de la République, il a donné quelques indications, il a défini les défis, mais voici notre contribution pour l'émergence d'un Congo nouveau. Et donc c'est cela la compréhension, je crois, que les uns et les autres doivent avoir de cette organisation qui s'appelle Pacte pour un Congo retrouvé, parce que nous voudrions vraiment que tous les Congolais se retrouvent dans ce Congo de Félix Tshisekedi qu'il veut transformer, pour lequel il veut laisser une histoire d'ici 2028, que les peuples congolais se souviennent effectivement qu'on a eu un président qui a pensé à rencontrer ses attentes, qu'on a eu un président qui a défini des politiques publiques à même de chasser la pauvreté et de replacer le Congo sur l'orbite du développement. Lorsque l'informateur, puis le Premier ministre, chacun vont commencer à consulter les organisations politiques, vous allez vous présenter comme PCR ou ça sera comme AB50, AUNC, CODE ou AAP? Les PCR, vous allez vous présenter comment? Les PCR n'est pas allé aux élections. Ceux qui sont allés aux élections, ce sont les regroupements politiques, ce sont les partis. Oui, mais vous êtes regroupé maintenant, vous formez une équipe. Est-ce que c'est en cette qualité que vous vous présenterez devant l'informateur ou le Premier ministre? La réponse est claire. Aussi bien à l'Assemblée nationale que devant celui que vous appelez informateur, que devant toute autre personne, l'interlocuteur, ce sont les regroupements politiques et les partis politiques. Le PCR n'est pas allé aux élections pour dire « voici, le PCR a engagé autant de députés ». C'est une organisation informelle. Oui, mais pourquoi vous dites « nous sommes sans… » Ça veut dire que vous êtes en train de démontrer à la face du monde votre force politique. Lorsque vous dites 230 députés nationaux et provinciaux, ça veut dire que vous êtes en train là de démontrer devant la place publique que vous êtes puissant et que l'on doit compter sur vous, compter avec vous. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la CENI qui a publié les résultats. Lorsque la CENI dit que nous avons eu 20, l'autre a eu 30, l'autre a eu 40, et quand on fait l'addition 30 plus 20 plus 40 plus 50, ça fait 100. C'est pas nous qui donnons les chiffres. Mais la CENI a publié les chiffres, et ils sont clairs. Et chacun vous, des partis. Et vous êtes mis ensemble pour gonfler les, disons, mettre un peu le chef de l'État devant un fait accompli. Ça veut dire que j'ai face à moi le PCR qui regroupe l'AB50, AAP, AUNC, CODE. C'est ça la mauvaise compréhension en fait de la communication de certains que j'ai suivi en train d'interpréter très mal le PCR. Le PCR ne va pas se présenter ni devant l'informateur, ni devant qui que ce soit, parce qu'il n'est pas allé aux élections. Ceux qui sont allés aux élections, c'est AAUNC, AAP, AB50 et CODE. Voilà les regroupements qui sont allés aux élections et qui ont amené des députés. Mais ici, la différence maintenant qu'il faut savoir, c'est que nous nous organisons de manière informelle pour dire nous devons participer à l'élaboration d'un schéma directeur qui doit aider comme contribution. C'est une organisation privée. PCR, c'est privé. Mais oui. Mais pourquoi il fallait sortir ça sur la place publique? Vous auriez pu travailler également un peu, disons, discrètement et présenter vos propositions le moment venu au chef de l'État. Pourquoi l'avoir sorti sur la place publique? Mais nous sommes des politiques, il n'est pas interdit. Lorsqu'un politique s'organise de manière solennelle... C'est pour un objectif. Oui, quand un politique sort de manière solennelle, ça veut dire que c'est pour un objectif. C'est non. Pour que tout le monde voit, pour que tout le monde voit qu'il y a une force à côté, il faut compter avec cette force. Moi, je crois que c'est ça l'interprétation que les gens se sont faites au niveau de l'opinion publique. Mais comment vous expliquez la levée des boucliers au sein de l'Union Sacrée? Comment vous expliquez ça? Au sein du Présidium? Moi, je pense que l'émission que nous faisons aujourd'hui est aussi pédagogique. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté l'invitation que vous m'avez faite pour que je puisse communiquer sur les objectifs du PCR. Qui ne sont autre chose que ce que je vous ai démontré tout à l'heure. Et donc, lever des boucliers, ici, les gens se sont plaints, là-bas, on a crié, ici, on a dit... Non, tout cela, nous voulons les balayer d'un revers de la main parce que les gens n'ont pas compris l'objectif du PCR, c'est quoi? C'est une organisation privée qui ne va se présenter devant personne parce que lorsque viendra le moment de consultation, le PCR n'a pas d'élu, n'est pas allé aux élections, ce sont les regroupements et les partis politiques à l'intérieur qui seront consultés le moment venu. Alors, cette compréhension qu'on doit avoir à partir de... Mais cette compréhension est floue. Je veux lire l'une des phrases qui a été prononcée, je pense, par Vital Kamerhe. Notre objectif vise à participer autour du chef de l'État
à la consolidation d'une majorité parlementaire confortable, constructive et cohérente. Participer à côté du chef de l'État, ça veut dire diriger avec le chef de l'État. Non, ça veut dire avoir des postes pour diriger le pays. Au finish, l'objectif pour vous, c'est d'avoir des portefeuilles ministériels, ou disons même des postes au niveau des gouverneurs des provinces. C'est ça l'objectif final. Vous êtes politique, monsieur Julien Paluku. L'organisation politique va définir la manière dont les postes vont être pris par les uns et les autres. C'est pas au PSR de définir, voici tel poste sera attribué à tel, tel autre à tel. L'organisation politique elle-même, vous savez que lorsque viendra le moment de la constitution du gouvernement, il appartient d'abord au président de la République de définir la taille du gouvernement. C'est pas un parti politique qui définit la taille du gouvernement. C'est le chef de l'État lui-même qui sait, par rapport à ses objectifs, quelle est la taille de son gouvernement. Et par rapport à la taille du gouvernement, il regarde les forces en présence. Il définit les quotients qu'il doit appliquer chez les uns et les autres pour d'avoir composé son gouvernement. Ça n'a rien à voir avec... les PSR avec les partis politiques. Il faut que les gens comprennent comment s'organise en fait le pouvoir en République démocratique du Congo. Lorsque vous lisez l'article 78 de notre Constitution, il est dit ceci, que les présidents de la République nomment les premiers ministres au sein de la majorité parlementaire. Il n'est pas dit que le président de la République nomme les premiers ministres au sein du PSR ou au sein de l'AFDC ou au sein du DPS ou au sein d'un parti. Vous pouvez faire pression sur lui aussi. Vous comprenez? C'est votre autorité politique, mais vous pouvez faire également pression sur lui de manière discrète ou on va dire peut-être gentille. Je vais lire encore une autre déclaration que vous avez faite à l'ouverture. Nous allons aider le chef de l'État à identifier rapidement les acteurs qui vont l'aider à implémenter sa vision. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez donc, vous êtes des dieux pour présenter au chef de l'État les personnes qui vont l'aider à implémenter sa vision? Voilà des termes qui choquent. Comment vous pouvez penser que nous, Julien Paluku, Vital Kamerhe, Tony Kankou, Jean-Lucien Boussa, nous puissions nous considérer comme une divinité. Mais comment vous dites, nous allons aider le chef de l'État à identifier rapidement les acteurs qui vont l'aider à implémenter sa vision? Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Les acteurs politiques sont là pour apporter leur contribution à l'édifice qu'est la République démocratique du Congo. Je ne pense pas. Mais vous connaissez les acteurs, qui vont aider le chef d'État? Je ne sais pas s'il y a un acteur qui, lui, est venu en politique pour croiser les bras, n'est pas apporté une contribution de manière à permettre à ce que le chef de l'État trace sa trajectoire vers l'émergence. Donc, quand un acteur politique formule une contribution à l'endroit de ce qu'il doit la prendre, eh bien, c'est à celui à qui est destinée la contribution qui peut ou ne pas considérer la contribution. Donc, il ne faudrait pas que les gens considèrent que le PSR vient guider, vient définir, vient donner les options. Mais c'est l'impression que vous donnez, monsieur Julien Paluku. Il n'en a pas le pouvoir. Je prends encore une phrase de monsieur Jean-Lucien Boussa. On a besoin d'une élite stratège et d'une élite gestionnaire. Cette élite était absente lors du premier quinquennat, donc. On a besoin aujourd'hui d'une élite stratège, d'une élite gestionnaire. C'est aujourd'hui, au deuxième quinquennat, qu'on va trouver cette élite. Et cette élite se trouve parmi vous, au sein de PCR. En quoi les concepts stratèges, en quoi les concepts gestionnaires sont des concepts qui choquent la République? Ça veut dire qu'on doit puiser dans vos rangs, puisque vous êtes une sorte de think tank, vous, du PCR. Le peuple congolais est plein de stratèges. Le peuple congolais est plein de gestionnaires. Le peuple congolais est plein d'hommes épris de paix d'esprit comme celui du président de la République. Lorsque le collègue Jean-Lucien Boussa sort cette phrase, c'est une sorte de dialectique qu'il pose. Lorsqu'un acteur politique, un intellectuel sort des concepts, ça ne choque personne. Parce qu'il ne lui appartient pas, même en sortant ses concepts, à lui de composer le gouvernement, à lui de choisir ses stratèges, à lui de choisir ses gestionnaires. Ce sont des concepts. Oui, mais ce sont des communications dirigées vers le chef de l'État, n'est-ce pas? Non. Parce que vous voulez l'accompagner. Donc tout ce que vous dites, c'est pour l'accompagner. Moi, je pense que c'est là, effectivement, les flous artistiques que les gens ont placés dans l'opinion pour chercher inutilement à coller au PSR celle qui ne lui est pas, alors que j'ai bien défini l'objet pour lequel nous nous sommes réunis pour effectivement
réaffirmer notre appartenance à la majorité présidentielle, réaffirmer le soutien au président de la République et donner l'engagement que les élus qui sont venus de partout ailleurs à travers nos regroupements vont soutenir les programmes du gouvernement. Ce sont les trois éléments de communication pour lesquels nous avons sorti un communiqué officiel. Alors vous allez créer, vous avez dit, créer ou la cohésion et renforcer la discipline au sein de l'Union sacrée. Il y a déficit de cohésion, déficit de discipline? Vous savez, l'Union sacrée, à l'époque où nous sommes allés aux élections, n'avait pas d'élus. Maintenant que tous les partis politiques ont amené des élus, faudra-t-il qu'on croise les bras, que chaque élu s'éparpille à l'Assemblée nationale et faire ce qu'il va faire? Moi, je crois qu'il faut que les gens comprennent qu'avant, on n'avait pas d'élus comme partenaire politique, mais après, on a des élus. Alors, lorsque les élus viennent de tous les partis politiques, qu'est-ce qui doit suivre? C'est les organiser, c'est de manière à ce que la discipline soit respectée. Et c'est vous qui allez le faire. Et c'est vous, le PCA, qui allez le faire. Ce n'est pas le PCA. Vous êtes autoproclamé. Vous êtes autoproclamé. Nous allons renforcer la cohésion, nous allons renforcer la discipline. Donc, c'est vous qui allez être un peu, les capitales, le proviseur, par exemple. Ce sera vous. Mais les gens auraient voulu que ça soit dit par qui? Parce que lorsque nous disons, en fait, notre contribution par rapport à ce qui doit se faire, les gens s'enflamment. Alors, on aurait voulu que ce soit dit par qui? Parce qu'en fait, on est des acteurs politiques. Lorsque nous disons, on est revenu avec des élus, 400 élus au niveau de l'Assemblée nationale, eh bien, notre contribution, c'est qu'il faut qu'on s'organise rapidement, il faut qu'il y ait de la discipline, parce que nous avons vu aussi, lorsque les élus sont là, chacun pense que c'est un électron libre. Donc, c'est une contribution du PCR pour dire, aussitôt que nous avons engagé ce genre de résultats, nous devons nous organiser, nous devons avoir la discipline, parce que nous n'avons pas de temps à perdre selon ce que le président nous a donné comme interpellation lorsqu'il a prononcé le discours d'investiture. Vous allez... Donc, c'est tout simplement ça. Après la sortie du PCR, vous avez rencontré déjà vos pairs de la majorité, l'UDPS, le MLC et les autres, l'AB du Premier ministre? Alors, vous êtes rencontrés? Si nous commençons à dire que nous allons rencontrer tel, c'est que nous nous constituons maintenant comme un courant politique. Nous n'avons pas la prétention de commencer à aller rencontrer tel et tel, comme si nous faisions des consultations. Mais cela ne relève pas du pouvoir. Lorsque vous avez sorti le PCR, on a vu Augustin Kabouya de l'UDPS aller rencontrer le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, et puis il a réuni quelques membres de l'Union sacrée de la Nation sans vous. C'est une réponse à ce que vous avez fait? Moi, je pense que lui, il est membre du Présidium. C'est lui, effectivement, qui a la latitude de pouvoir passer... Vital Kamerhe aussi, membre du Présidium. Exactement. Lui, il a bypassé ses collègues de l'Union sacrée. L'honorable Mbosso, l'honorable Batilouko, membre du Présidium, et peuvent passer pour parler aux gens. Vital Kamerhe a bypassé ses membres, ses collègues de l'Union sacrée. Non, c'est pas la compréhension effectivement qui est dans l'opinion, c'est de croire que Vital Kamerhe a bypassé les membres de l'Union sacrée parce qu'il a créé quelque chose que les gens pensent être un courant. Et je viens de vous expliquer ici et maintenant qu'il ne s'agit pas ni d'un courant politique, qu'il ne s'agit pas d'un camp politique, il s'agit d'un groupe de réflexion autour des fondamentaux que le président a défini et pour lesquels nous nous apprêtons à donner notre contribution, qui sera versée le moment venu. C'est tout simplement cela. Et je crois qu'il faut que les gens lisent et relisent les communiqués que nous avons sortis pour comprendre que le PCR n'est pas un courant politique, n'est pas une plateforme. C'est la plateforme, ce que nous avons, qui nous organise, s'appelle Union Sacrée. Et le Présidium est connu, c'est lui qui peut faire des consultations. Le PCR n'a aucune prétention de commencer à faire des consultations parce qu'il n'en a pas le pouvoir et ce n'est pas dans ses objectifs.